pas terrible. Je suppose que la tienne est mieux. Tu rigoles, elle est fabuleuse, cette chambre. Laisse-le allumer. Je me sens honteuse de la façon dont mon père t'a traité. Oh, alors, ton père était très bien. Il a même été grand. La façon dont il a soigné Penny. Oui, mais avec toi, il n'a pas été très cool. C'est parce que je m'en suis mêlée. Oh. Je suis venue te voir parce que mon père voudrait... Non, non, ton père est un grand bonhomme. C'est vrai, c'est incroyable ce qu'il a fait. Je suis nul à côté. C'est pour ça que les gens me traitent comme ça, parce que je suis nul. C'est pas vrai, tu es fou. Tu es un garçon extraordinaire. Et toute ma vie est un labyrinthe. Je fais toujours des hauts et des bas. Tiens, le mois dernier, je bouffais des nouilles pour m'en sortir et demain, des femmes rempliront mes poches avec des diamants. Aujourd'hui, je suis l'idole de tout le monde et demain, je serai moins que rien. Non, tu n'as pas besoin de courir le monde après ton destin comme un cheval sauvage. J'ai jamais vu quelqu'un comme toi. Tu crois que tu peux changer le monde, soigner les blessés, réconcilier avec la vie ceux qui veulent mourir? Mais tu rigoles, j'ai demandé à mon père, c'est pas un exploit. Tu avais raison. Il fallait un sacré courage pour faire ça. Julia, t'as jamais peur de rien. Moi, la moindre difficulté est une barrière insurmontable. J'ai une trouille effroyable. J'ai peur de ce que je vois, de ce que je fais, de ce que je suis. Mais le plus terrible, c'est que j'ai peur de sortir de cette chambre et de ne plus jamais ressentir ce que je ressens. Je peux plus me passer de toi, je te jure. The car.